Pour moi, c'est important de rendre la culture accessible parce que je pense que c'est ce qui nous rapproche et ce qui nous fait comprendre les expériences des uns des autres. Bonjour, je suis Kid Ismaël, je suis DJ et performeur. Bonjour, je suis Émilie Belot et je suis violoniste à l'Opéra de Paris. Je suis Amandine Dehan, contrebassiste à l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Moi, mon premier souvenir d'accessibilité à l'opéra, c'est en cinquième et c'est notre prof de musique qui a organisé une sortie et on s'est habillé et c'était hyper bien. J'ai fait un concert pour des enfants malvoyants et à la fin du concert, c'est les enfants qui sont venus vers moi pour me demander de pouvoir toucher l'instrument. C'était incroyablement émouvant. Mais ça, c'est génial parce que c'est là où tu vois que la culture, ça rapproche et ça fait découvrir un peu le monde des autres. Il y a beaucoup d'adultes qui disent « oui, moi je suis jamais allée à l'opéra, c'est pas pour moi, ou c'est pas ma culture, ou c'est pas mon milieu, ou c'est super guindé ». Il faut démystifier complètement l'opéra. C'est juste pour les amoureux de la culture. Quand on aime la culture, il y a des moyens d'y avoir accès et l'opéra le fait très bien. Et le plus important, c'est d'aller vers les publics, d'aller les chercher pour que tous les publics puissent avoir accès à la culture. Parce que c'est une grande richesse, on en a besoin pour construire notre société. Les institutions culturelles françaises se doivent d'incarner l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. L'opéra, c'est une machine à rêve où on peut vivre mille choses à la fois. C'est des étoiles dans les yeux, c'est un spectacle multisensoriel dont il ne faut pas se passer, qui, contrairement aux apparences, est vraiment accessible à tous. Je soutiens les projets d'accessibilité de l'Opéra National de Paris.